Salut les viewers, c'est Marcus Bonus et c'est le bordel sur mon setup. J'ai oublié de régler ça. Ouais, bon, ok. Hop, j'ai passé en QWERTY, c'est pas grave. Alors, faut savoir, chers amis, que nous sommes dans RoboCraft. Le jeu avait été supprimé de mon. Enfin, a supprimé de mon Steam, pas de mon PC. Et depuis, faut que je rebind tout. Faut que je refasse le son, etc. etc. Là, par exemple, vous voyez, je peux pas baisser. Ah si, c'est bon. Oh là là. Oh, c'est compliqué. Enfin. Hop. Wouh. Merci. Hop. Pouf. 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 J'ai plus de munitions. On s'en va. Hop. Hop. Ah vas-y, viens, approche, t'attends-moi. Oula, sniper. Il nous manque de l'armement. Il nous manque clairement de l'armement. C'est qu'est-ce qu'il fout là, lui? Qu'est-ce qu'il fout là, lui? Voilà, je suis tout seul. Ah, j'étais tout seul. Bon. L'armement choisi n'est peut-être pas le bon. L'armement choisi n'est peut-être pas le bon. Ouais, il fait peut-être pas assez de dégâts, cet armement, hein. Soyons honnêtes. Oula, ils travaillent en équipe ceux-là. Et pour peu qu'ils soient heal, je ne peux pas faire de dégâts à un ennemi. Merci. Aïe. C'est con parce que sinon le robot a l'air... voyez. Eh. Sinon le robot a l'air solide. On savait dès le départ que ça ce serait ses points faibles. Honnêtement, je m'attendais pas si faible que ça, mais bon, c'est comme ça, hein. Hop, allons-y. Donc clairement, l'armement choisi n'est pas le plus efficace. Je pensais pas qu'avec autant... Alors, ça consomme énormément d'énergie pour peu de dégâts. Donc on va devoir régler ça, chers amis, hein, honnêtement. Hop. Voilà, va-t'en. C'est pas moi qui fais le truc, hein. Je fais pas le café, comme on dit, hein. Là, pour le coup, non. Ah, je m'en doutais que je serais rapidement... rapidement envoyé au sol. Est-ce que ma propulsion est suffisante? Oui, ma propulsion est suffisante même avec... Oh! Oh! Attends, je viens de voir un truc. Là, j'ai un problème, chers amis. Là, j'ai un problème de conception que vous avez peut-être sans doute commencé à me rappeler, chers amis. C'est le positionnement de mes propulseurs en haut et en bas. Ils sont posés sur exactement le même cube. Ça, ce n'est pas une bonne chose. Bonjour! C'est pas sur celui-là que je m'étais basé à la base? Tu me heal ou pas là? Oui, tu me heal. Recule, Simon. Ah, mais c'est une ambulance! Il a rien d'autre! Comment tu crois qu'on peut gagner avec des gens aussi spécialisés que toi? Fais-moi décoller! Hop, ils sont pas là. J'essaie de me propulser le plus rapidement possible, mais j'en chie. Hop! Ça fait pas de dégâts! Ça fait zéro dégâts! Comment cette arme peut-elle être viable? Hop. Hop. Ça fait mal par contre.
Ça, je veux pas dire, mais ça fait atrocement mal. Vous voyez, quand ils me détruisent, en fait, en gros, un de mes propulseurs, ils me les détruisent tous. Donc ça, c'est à revoir comme conception. Bon, c'est pas grave. Heureusement, on a des gens qui font le café dans le groupe, hein. Moi pas, hein, mais... Heureusement, on a des gens qui font le café. Ça passe son truc à lui. America! Hop, GG! Ouais. Cet équipement n'est pas le bon. L'équipement n'est clairement pas le bon. Aïe. Hop. Merci. Hop, parfait. Hop, spotons les ennemis pour nos alliés. Hop. Focus. Wow, lui il est déjà dans le flou. Hop. On est niveau combien? 10. D'accord. Wow, qu'est-ce que ce truc? Comment il peut être invisible? Oh! Non, c'est pas un stealth bug. C'est un stealth hack, ouais, je suis d'accord. C'est pas pareil du tout. Je suis pas d'accord, c'est pas pareil du tout. Ah! Vous voyez? Encore une fois, mes réacteurs sont détruits. Ça, c'est pas bon. Vous voyez? Là, c'est un problème de conception. Donc, problème à résoudre, clairement. GG. GG. Bon, là, on a un problème de conception, chers amis. Donc, à résoudre. À résoudre rapidement même, je dirais. On a un gros problème de conception. Le problème étant aussi, est-ce qu'on va pouvoir déplacer les propulseurs en fonction de du positionnement des hélices. Edit. Hop. Edit piaf. Non, je ne referai pas, désolé, chers amis. C'est mauvais réflexe. Hop. Ok. Je vais essayer en fait de replacer par exemple, vous voyez, la ligne en beige. Ça s'est fait exprès, hein. Fais pas le con, Marcus. Ah bah oui, parce que du coup, tous mes contrôles ont été... ah bah oui. Forcément. Tous mes contrôles ont été reset. Du coup... Z, S, D, S, Q, pardon. Ah oui, c'est vrai. Alors, attendez. Voilà. Left shift, c'est bien mieux. Ok. Place cube, c'est bon. Click to assign, ça c'est bon. Alors, bon. Hop. Inventory, moi je l'avais mis sur I. Ah oui, c'est vrai. I, voilà. Hop. D'accord, play game si tu veux. Ça, je m'en fous un petit peu à vrai dire. C'est plus dans la construction. Mirror line. Alors, mirror build mode. X, s'il vous plaît, merci.
Mirror line. Là, il me faudra que ce soit ça. Et il me faudra que ce soit ça. Voilà. Et on va commencer à faire ça comme ça, je pense. Ce serait peut-être pas mal. Ok, bon, on va commencer là-dessus. Ici. Ici. Ok. On est bon. Du coup, je fais ça. Pardon. Alors là, on va encore avoir un problème parce que c'est encore une touche qui n'a pas été rebind. Contrôle. Ah oh là 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 là. Truc d'armement. Donc c'est le truc d'armement. Spot enemy sur A. Light, pour l'instant, j'en ai pas besoin. Ça, c'est bon. Manage loadout. Il faudra que ce soit sur W à tout péter. On a un assuré. Hop, voilà. Hop, on devrait être bon. Oh là là. C'est tellement compliqué. Crac. Crac, c'est bon. Là, je le déplace de 1 par ici. Et en gros, quand je fais ça. Voilà, c'est bien ça. Ok, parfait. Hop. Donc en gros, il faudra que ce soit sur ces lignes-là. D'ailleurs, je pourrais peut-être reprendre un cube bleu. Si j'ai pas de cube bleu encore de placer, ça va changer. Hop. Par contre, du coup, ça risque de me faire plus de cubes encore. Et vu que je dois être assez limite. Non, ça va? Est-ce que ça va finalement en fait? Hop. Ok, donc ça c'est fait. Maintenant, est-ce que je peux placer les bons thrusters aux bons endroits? Oui. Parfait. On va cependant le placer en noir. Hein. Hop. Et ici, j'aimerais peindre ça. Hop. En noir aussi. Mince. Peindre. Hop. Ok. Ok, parfait. Parfait, parfait, parfait. Pour le bas, c'est fait. Maintenant, on va faire pareil au-dessus. En dessous, pardon. Hop, s'il vous plaît. Crac. Comme ça, on pourra en tout cas protéger ceux du bas. Ce qui est une véritable nécessité. Hop. Ça nous permet d'avoir de la propulsion, quoi qu'il arrive, en fait, tout simplement. Même si ceux du haut sont pétés, on aura toujours de la propulsion. Ok. Merde, j'ai pas regardé où est-ce que je devais les placer. Merde. C'est sur cette ligne-là. Hop, ok. Bah du coup, on va les récupérer. Ce sera sur I en inventaire. Ici, crac. Alors, est-ce qu'il vaut mieux les mettre là? Ou là? Si je les mets là, on va voir. Donc là, ça les place au même endroit en dessous. Hop. Est-ce que par exemple, je peux remettre des cubes de ce genre là? Oula. J'ai fait R, mais c'était pas la bonne touche. J'ai pas pensé à rebind le rotate. Ah, mais merde! Move cube, move mirror, move mirror, move mirror. Nanana. Centre de masse, non. Straf, non. Donc je l'ai loupé. Y'a pas rotate? Ou alors je le vois pas? C'est possible aussi. Hein. Rotate cube. Voilà. M'en fous. Hop. Crac. Et on est bon. On y retourne. Hop. Voilà, alors. Maintenant, si je fais R, ça rotate. Ok. Donc maintenant, peut-être que je peux bidouiller un peu tout ça, si je puis dire. Hop. Ici. Crac. Voilà. Ici, est-ce que par exemple, je peux... Hop, placer ça comme ça. Oui. 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 Et oui. Disons que ça va peut-être solidifier un petit peu la chose. Hop.
Ici, est-ce que je peux faire ça? Oui. Est-ce que ça vaudrait pas mieux de faire ça? Je ne sais pas. Parce que du coup, là, ici, je mettrai ceci. Voilà. Ouais, c'est pas mal. Ça rend pas si mal. Ça rend pas si mal. Bon, niveau armement, on sait que ça, c'est pas efficace. Cependant, on a des cubes équivalents. Entre guillemets, si je puis dire. Au niveau de leur positionnement, on a des cubes qui sont plus ou moins équivalents. Mais forcément, je ne serais pas à même de les poser. À cause des hélices. Est-ce que je peux les poser un cran plus loin, cela dit? C'est juste pour voir, hein. Là, c'est juste du test pur et dur. Non, il faudrait pas. Parce que si j'allonge, imaginons si j'allonge. Donc là, je replace le cube. Hop. De combien il faut que j'allonge? Voilà, ça qu'on va dire. De combien il faut que j'allonge? De ça. Et donc là, je peux placer ça. Oui, oui, bah je vais corriger ça, t'inquiète. Hop. T'inquiète Simone, c'est moi qui conduis, c'est toi qui klaxonne. Hop. Faut que ça garde aussi la forme générale, hein. Je précise, mais ne vous inquiétez pas, je vais garder un œil là-dessus. Hop. Ouais, c'est pas mal niveau forme générale, honnêtement. Je m'attendais à pire. Hop. Hop. J'avais oublié de les faire en fait, ceux-là. Ils auraient dû être colorés. Hop. Ça va être celui-là. C'est ça. Ah, c'est ça. Ok. Hop. Et hop. Parfait. Bon, ça c'est fait. Niveau de ce truc là, c'est fait. Du coup, faudra voir si je peux pas rajouter un petit peu de protection ici. Genre, bah de toute façon, déjà, pour l'instant, faut que je vois là pour l'armement. Pour l'armement en règle générale. Bon, ça c'est fait. Quel type d'armement je pourrais rajouter à ce robot pour qu'il soit efficace finalement? Est-ce que ça, par exemple, ça passerait? Alors oui, forcément. Hop. Qu'est-ce qui m'empêche de faire ça? Apparemment, simplement deux cubes. Celui-ci, celui-là. Ça me va. Perso, ça me va. Hop. Ok. Du coup, on a beaucoup plus de place pour de l'armement secondaire, si je puis dire. Pour ça, ce serait peut-être pas mal. Donc là, malheureusement, c'est les hélices de devant qui me gênent. Ça me choque, mais pourquoi pas. Imaginons que je veuille faire ça. Il me faudrait ça, il me faudrait ça. Et du coup, je re-remplace ceci. Voilà. Ça. Hop. Est-ce que par exemple là je peux replacer? Oh, quel dommage. Quel dommage, quel dommage, quel dommage. Et si, imaginons, je récupère ce genre de cube et que je le mets là, ça passera pas. Ok, ok, ok. On essaie de réfléchir à un truc, hein. Ce qui se trouve être plus compliqué que prévu, vous vous en doutez, chers amis. Et ça veut toujours pas. Bon bah écoutez, tant pis pour là. Hop, ça sera pas ici que je mettrai de l'armement. Bon. Bon, bon, bon. Qu'est-ce que je pourrais rajouter? Alors, qu'est-ce qui est plus petit? Ça, tiens. Ça, c'est une idée. C'est peut-être une idée, ça. Mince, ça passera pas. Où que ça soit, ça passera pas. Ok, c'est pas grave.
Bon, le gros canon, je sais pas pourquoi je clique dessus. C'est stupide. Ça aurait peut-être été une meilleure idée, cela dit. Je pourrais jamais les placer dessus. On va essayer, mais... Eh, remarque, je crois qu'il les prend. J'en ai qu'un. Ah non, j'en ai quatre. C'est bon. Ouais, il est pas encore assez loin, là. Donc le problème est le même, en fait. Finalement, c'est ça qui n'est pas assez loin. Est-ce que ça vaudrait pas le coup de régler ce problème? Est-ce que ça vaudrait pas le coup de régler ce problème assez rapidement? Imaginons. Hop. Hop, si je le place là. Imaginons. Imaginons juste. Hein. Ça me permettrait peut-être de placer mes tourelles, entre guillemets, ici. Qu'est-ce qui m'en empêche? Voilà, il me reste plus que ça. Voilà. Je peux même placer la même chose en dessous, si je veux. Hop, mais pour ça, il faut que je déplace aussi celle-là. Ok, on va faire ça comme ça. On va faire ça comme ça, chers amis. On va voir si c'est plus meurtrier comme ça. Oui, parce que l'objectif, c'est que ce soit meurtrier. Hein. Hop. Hop. Du coup, au niveau d'ici. Alors que ça parte aussi d'un cran plus loin. Enfin, que ça parte un cran plus loin, littéralement. C'est ce cube-là que je cherche. Que je mettrai dans ce sens-là. Ok. Ici, je le mets dans ce sens-là. Hop. Hop et hop. Est-ce que pourquoi pas ne faire un vrai, ne faire qu'un seul et vrai unique pont ne serait peut-être pas la pire des idées. Crac crac crac. Hop. Allez. Hop. Voilà. Regardez le même principe que tout à l'heure. Je crois que je touche quelque chose là, chers amis. Je crois que je touche quelque chose. Ce cube là, s'il vous plaît. Hop. 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 Voilà. Mon petit cube à moi. Mon petit cube à moi. Il est là. Hop. Je crois franchement que je touche quelque chose là. Hop. Voilà. Donc là, j'ai une protection du point d'emport. Enfin, ce que je pourrais appeler moi un point d'emport. Avec mes heures sur Elite Dangerous. Hop. Et ça me plaît assez de. Pour me dire que je peux rapporter ça dans ce jeu-là. Mais enfin, bon, c'est une autre histoire. Hop. Hop. Ok. Ensuite, crac. Et là, je couvre aussi l'endroit. Ce qui rend la chose encore plus, normalement, protégée, si je puis dire. Je ne sais pas. Je ne sais pas si ça rendrait véritablement la chose plus... plus protégée, honnêtement. Elle doit être plus difficile à atteindre, j'imagine, non? Même si vous me direz que mes hélices sont pas si solides que ça, donc techniquement, ça revient au même. Ok. Hop. Ben voilà. Plus qu'à rajouter... ce genre d'équipement. Non, j'ai dit ce genre-là d'équipement. Hop. Hop. Et voilà. Bon. Bon. Et ben, on n'aura plus qu'à essayer ça dans le prochain épisode. En tout cas, les amis, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à la pouce vériser, la commenter, la partager, vous abonner. Rejoindre le groupe Steam Joueurs de la Playroom. D'où vous pourrez trouver le lien dans la bannière de la chaîne. Quant à moi, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. C'était Marcus Bonus dans la Playroom. A plus pour d'autres aventures. Salut les gens. Et yo! Est-ce que j'ai un vapeur trail quelque part? J'en ai plus. Ce que je peux faire, c'est par contre mettre ce genre de choses, mais j'aime bien moi. Mais bon, c'est moche.
C'est moche, c'est moche, c'est moche, c'est moche. Oh, quoique. Ouh. Cool. Ok. Salut.